Donc on est satisfait avec l'ensemble du staff de la délégation Centre-Val de Loire de la victoire obtenue hier face à la sélection des Pays de Loire. On est très satisfait à la fois au plan du jeu, mais surtout sur l'état d'esprit et la cohésion qu'il y a pu y avoir entre les joueurs sur ces deux jours. C'était vraiment agréable de les accompagner sur ce premier match. Et donc, sur le plan du jeu aussi, satisfait, puisque nos adversaires, à la fin du match, ont loué la qualité de notre effectif et la qualité du match que les garçons avaient pu faire. La suite, le week-end du 31 mars et 1er avril, les quarts de finale qui nous opposeront donc à la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Donc, et bien d'ici là, on va rester en contact avec les garçons, rester en contact avec les clubs, bien sûr, parce que sans l'aide des clubs, on n'aurait pas pu monter cette sélection, et c'est en partie aussi grâce à eux et au travail qui est fait toute l'année, au relationnel qu'on entretient avec les différents entraîneurs, et bien qu'on peut monter une sélection comme ça et finalement avoir les résultats. C'est aussi cette performance, c'est aussi le fruit de leur travail, et on leur remercie très sincèrement.